Bonjour à tous, je suis Philippe Michelot, je suis donc tromboniste. Je viens d'une petite ville de la Nièvre qui s'appelle Infi, où j'ai débuté la musique dans les années 80. Ensuite, j'ai continué à travailler dans des conservatoires de la région parisienne avant d'intégrer le conservatoire de Genève en Suisse pour faire mes études supérieures. Ensuite, je me suis orienté vers l'enseignement où j'ai enseigné au conservatoire de Vichy, de Nevers et de Clermont-Ferrand pour m'orienter ensuite vers la direction d'école de musique. Et d'ailleurs, donc, je dirige une école de musique, de danse et de théâtre dans la Nièvre à la Charité-sur-Loire. Instruments XO depuis maintenant un peu plus d'un an, un an et demi. Des instruments plutôt faciles à jouer, bien équilibrés, une bonne tessiture, du grave vers l'aigu. Alors, les instruments XO sont des instruments haut de gamme. Ces instruments-là s'adressent plutôt à des musiciens pros, à la fois dans le milieu classique que le jazz, puisque justement il y a une gamme jazz, bien spécifique jazz, et qui est du coup très jouée par les jazzmen en fait. Et bien maintenant je vais vous présenter la gamme des trombones XO. Je vais commencer par celui que j'utilise moi, hein, qui est le 1236T. Alors T parce que tout simplement on a un système de barillet qui est un système tailleur. C'est un trombone très intéressant que j'ai choisi parce que je trouve qu'il a une sonorité riche, ronde, une tessiture qui est très intéressante, il est très équilibré, du grave, voire de l'extrême grave jusqu'à l'aigu, et ça j'ai trouvé ça très très intéressant. C'est un instrument qui se tient bien, la main se positionne très bien, et il est surtout très équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poids vers l'avant, il est vraiment très équilibré, on peut le tenir d'une main, il n'y a aucun souci, du fait de cette coulisse légère. Voilà, donc du coup, ça empêche que le trombone parte vers l'avant, du fait aussi qu'il y a un petit contrepoids ici, voilà, avec le petit logo XO ici. Voilà. Donc ça aide évidemment à le maintenir bien bien droit sur l'épaule, pour avoir une position la plus naturelle possible. Pour illustrer un peu ce que je vous disais par rapport à cette tessiture, hein, le fait que ce soit plutôt facile dans le gras, plutôt facile dans l'aigu, voilà, je vous propose de vous jouer quelques notes. Voilà, donc c'est un instrument vraiment très facile à jouer dans les aigus et dans le grave, voire l'extrême grave. Donc c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans cet instrument. Donc maintenant, je vais vous présenter ce modèle-ci. Donc c'est le 1632. Donc c'est un modèle qui a vraiment été conçu pour le jazz. Donc c'est un trombone petite perce, voilà, avec une embouchure Jupiter, bien sûr. Il a été conçu par un tromboniste de jazz américain, hein, qui s'appelle John Fedock. Il est construit un peu différemment. Ici, vous pouvez remarquer la clé d'eau. Généralement, la clé d'eau, elle est positionnée sur le côté. Et ici, elle a été mise juste en dessous. L'autre détail qui est vraiment très important, c'est le fait qu'il soit super léger. Je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup de trombonistes, notamment dans le jazz et dans la variété, le jouent. Parce que c'est des gens qui sont quand même souvent debout, ils dansent en même temps. Donc du coup, il faut un instrument très léger, maniable. Et puis, qu'il soit un peu tout-terrain, en fait, hein, simplement. Donc, c'est un son, effectivement, un tout petit peu plus clair, un peu moins large, puisque c'est un instrument petite perce. Hein. Je vous joue deux, trois notes. Alors, même si c'est un instrument petite perce, il est quand même, je trouve, particulièrement très ouvert dans le grave. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant parce que du coup, ça donne un instrument très polyvalent et un peu tout-terrain, en fait. Donc maintenant, je vais vous présenter le trombone basse de XO, le 1240R, qui s'adresse plus à des professionnels, donc avec un pavillon cuivre rose. Un petit trombone basse, parce que la plupart des trombones basses sont de gros instruments. Celui-là, il est plutôt très maniable. Pareil que le ténor, il est très équilibré, donc on n'a pas besoin de le tenir énormément.
Il suffit de poser sur l'épaule et il tient très très bien. Donc le trombone basse, évidemment, c'est un instrument avec un pavillon plus gros, une perce un tout petit peu plus grosse. Voilà, je joue quelques sons. C'est un instrument qui est plutôt pour faire de la musique de chambre, type quatuor de trombone. Pas spécialement pour l'orchestre, en tout cas pour les grosses œuvres, type Wagner, Bruckner, ça c'est peut-être un petit peu petit. Mais par contre, pour tout ce qui est musique de chambre, ça, je trouve ça très, 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 très intéressant. Dans certaines œuvres, on utilise le troisième trombone plus comme un trombone ténor, en fait. Donc on n'a pas besoin d'un trombone basse extrêmement gros. Donc ça, je trouve que c'est un très bon compromis entre le ténor et le gros trombone basse, en fait. La petite spécificité des trombones XO, c'est qu'on a la possibilité de changer les branches des embouchures. Voilà, donc je vous montre un peu. C'est très, très simple, l'utilisation. Hop, on fait tourner et on retire la branche d'embouchure. Voilà, c'est vraiment très, très simple. Donc voilà, elles sont livrées dans une petite pochette en cuir, qui était plutôt sympa. Donc tous les trombones XO sont livrés avec, sauf le modèle jazz. Les trombones XO, c'est une large gamme qui va du trombone jazz. Hein, où on a, ici, on en a un modèle, mais il y en a plusieurs modèles. Des trombones ténors, système traditionnel et système tailleur. Et puis tous ces modèles de trombone basse, pareil, un système traditionnel ou système tailleur. Donc c'est vraiment une très large gamme. Je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde. Et moi, je vous invite vraiment à aller les essayer chez le revendeur le plus proche de chez vous.